Tiens, vous êtes là, vous avez fait vite. Bon, après, le temps, finalement, tout est relatif. Enfin, on peut pas le calculer, le palper. C'est vrai que c'est quelque chose d'immatériel. J'ai souvent vogué sur cette vague temporelle, comme un tonneau, voilà, sans attache. Puis, j'ai fini par échouer ici, dans ce bar. Ici, le temps ne s'accroche pas. C'est un peu comme une chaleureuse escale dont on a du mal à se séparer. Allez, je vais vous la présenter. Venez avec moi. Tiens, et si je vous racontais une histoire? L'histoire d'une nuit au gracieux. Vodka. Tout de suite. Bon, Simba. C'est contre le froid ou contre une peine de cœur? Il ne fait pas si froid dehors. C'est vrai. Qu'est-ce qui me vaut ta visite du coup? Je suis pas du genre à parler de mes problèmes. Je vois. Ça devrait t'aider un petit peu? Tu sais, on croit qu'à force d'y être habitué, on finit par devenir insensible. Mais c'est qu'une illusion. C'est comme la mort. Je pensais que d'avoir servi dans l'armée m'aurait rendu indifférent. Et que la dernière mort que j'aurais à pleurer soit celle de ma mère. Je suis désolé pour toi. Et tu sais, c'est en dehors de ton contrôle, ces choses-là. En dehors de mon contrôle. Celui que je pleure ce soir, c'est moi qui l'ai buté. Tu sais, quand j'étais petit, je passais mon temps à pleurer pour une miche de pain, pendant que ces bourgeois les donnaient au cygne. Je les ai haïs pour ça. Puis, la révolution est arrivée, et j'ai enfin pu prendre ma revanche. On m'a fait tomber un état et un autre. Une dictature après l'autre, avec seulement la vengeance et la haine comme moteur. J'étais persuadé d'avoir raison. J'ai suivi la ligne jusqu'au bout. Libère-toi. J'ai arrêté de porter l'homme qui m'avait sauvé la vie quand j'étais plus jeune. Mais c'est pas toi qui l'as décidé, ça. Peut-être. C'est moi qui l'ai fait monter dans ce camion, et fermer les portes et qui l'ont envoyé dans cet enfer. Tu t'en veux sûrement même pas. Comment tu peux savoir ça? T'étais même pas là. Zuckerbolette. Toi, t'en voudrais plus au couteau ou au meurtrier?
Tu en sers quelque chose? Bah, il fait froid dans ton boui-boui. Zdir, o tavarishi. Serre-moi un verre. Ce que t'as de plus fort. Non, non, je veux pas un cocktail à la con, tu me faisais un truc pur. Quand c'est dit que c'est ce que j'avais de plus fort, je t'ai pas menti. Hein. Tu sais, l'alcool, ça répare pas les problèmes. L'argent non plus. Oh, un bar d'un petit, j'ai de la chance. Et j'espère que ça ne sera pas plus cher. Oh. Alors, commence par te remettre de ça d'abord. On en parle après. T'as une gueule chaude ton truc. Il est sympa ton bracelet. C'est mes filles qui me l'ont offert pour la fête des pères. Hein. Tu dois être fier d'elle. Ouais, plus tout. Ton alliance aussi, elle doit raconter de belles histoires, non? Et jamais tu t'occupes de tes affaires, toi? Quoi? Approche. Vas-y, approche. Approche. Je vois que les marques sur tes mains, ça doit pas être du coffre-froid. Fais pas le malin. Pas avec moi. Tu me connais pas. Tu sais rien. Rien. Ouais, ce que je sais par contre, c'est que tu fais un peu trop le fier pour quelqu'un qui bat sa femme, tu vois. Comment tu sais, toi? L'habitude. C'est un accident. J'ai pas fait exprès. Je l'aimais. Je l'aime. Bah, elle sera liée à toi pour toujours, maintenant. Allez, ferme-la. Laisse-moi tranquille, là. Tiens. Ramasse. Ah si. C'est pas encore ton moment. Ça va? Mieux que lui apparemment. Effectivement. Vous avez souvent des clients énervés comme ça? Chacun réagit à sa manière. Justement, personne ici n'a réagi. Comment c'est possible? Vous trouvez ça bizarre, vous, quelqu'un qui s'énerve dans un bar? Oui. Et il n'y a pas que ça que je trouve bizarre. Il y a la fille habillée en pyjama, juste là. Vous pouvez la voir? Évidemment. Qu'est-ce qui se passe ici? Rien que vous puissiez gérer. Qu'est-ce que vous voulez dire? Parfois, si on prend le temps de prendre les choses dans le bon angle, tout prend sens. Vous voyez?
Mon père parlait déjà pas beaucoup, je pense que j'ai hérité de la mauvaise habitude. Désolé, mais je comprends pas. Prends un verre déjà. Ça aide. J'aime pas la pluie. Enfin... J'aime plus la pluie. Des souvenirs douloureux. Ouais. De longues journées allongées dans un lit d'hôpital, où j'avais rien à faire. Rien d'autre que d'espérer. Heureusement, tout ça est terminé. J'ai pas ce type de pièce pour vous régler. Il y a une monnaie particulière ici? Il faut avoir une pièce ancienne et un costume, c'est ça? Pour l'instant, t'as encore le temps. C'est-à-dire? Peut-être que si tu regardes attentivement dans ta poche... Faut prendre conscience que la plus battante, elle est à l'intérieur de toi. Ferme les yeux. Qu'est-ce que t'entends? De la pluie. Comme ces longues journées à l'hôpital. Faut juste lâcher prise. Se laisser porter. Un dernier souffle. Juste un dernier sourire. Comme celui qui vient après les premiers baisers. Je peux pas tous te sauver, mais toi. Toi, tu peux peut-être te sauver. Regarde dans ta poche. C'est ainsi que notre aventure prend fin. Et n'oubliez pas, comme tout bateau qui rentre au port à la fin de sa traversée, vous finirez dans ce bar à la fin de la vôtre. Allez, viens, Cerber.